repetitive, but what a class of heifers, top to bottom, beautiful class all the way through. Again, some different shapes and sizes in this class, but five heifers for me that sort themselves to the top. Our heifer in first over our heifer in second, a close placing. Our heifer in first just has a little more openness, depth to her rear rib today. She's longer and cleaner and more feminine up to her head and neck than this beautiful balanced heifer here in second. The second place heifer over the heifer in third, a heifer for me that moves around the ring a little more comfortably. She just blends a little nicer in her shoulder region as she's fuller of her crops, higher of her chine, and this beautiful balanced heifer here in third. Our third place heifer over the heifer in fourth, when we get behind these two heifers, a heifer that showed me a little more width through her pins today and carrying that width all the way through, an extremely balanced heifer in fourth. Fourth over fifth, a heifer that showed me a little more breed character up through her head and neck. I just prefer her hind legs. I prefer the set to her legs. She's longer of her pasture, steeper of her heel, and just a heifer that tracks a little straighter than this big, strong heifer here in fifth. Thank you. Alors encore une fois, même si le jeu, je sais peut-être se répéter, mais encore une fois, une excellente classe du début à la fin, avec différents styles de génisses. Et ces cinq génisses se sont vraiment démarquées dans la classe. C'est un classement serré pour débuter la classe, mais la gagnante démontre beaucoup d'ouverture et de profondeur de côte arrière, de même que davantage de féminité au niveau de sa tête que la génisse bien balancée en deuxième position. La deuxième sur la troisième, c'est surtout au niveau de la façon dont elle se déplace plus aisément dans l'arène aujourd'hui, de même que la force à son épaule par rapport à la génisse très belle en troisième position. La troisième sur la quatrième, surtout lorsqu'on la regarde de l'arrière, c'est une génisse qui démontre plus de largeur au niveau de ses esquillons, de même que dans toutes ses parties par rapport à la génisse bien balancée en quatrième. La quatrième sur la cinquième, c'est surtout au niveau des caractères de race dans sa tête, de même que de la façon dont elle se déplace sur ses pieds et membres arrière, qu'elle l'emporte sur la longue génisse en cinquième position.